Le prix HSBC pour la photographie accompagne tous les ans deux photographes par une publication de la première monographie de l'éditeur et une exposition itinérante de leurs œuvres dans quatre ou voire cinq lieux culturels en France ou à l'étranger et une production de nouvelles images présentées lors de la dernière étape, c'est-à-dire présentées ici à Bordeaux en l'occurrence. Et puis une acquisition pour HSBC France de 6 œuvres par lauréat et pour son fonds photographique. Voilà. Donc l'exposition itinérante est passée à Paris du 13 mai au 18 juin 2017. Elle est passée à Aix-en-Provence. Elle est passée aussi à Toulon. Et la dernière étape est ici à Ré sur l'Image Galerie à Bordeaux. Laura Panac, donc une des deux lauréates, est plus portée sur le portrait et entre photographie et documentaire et décor imaginaire des espaces, des rituels, des personnes, des objets, mais beaucoup plus en relation avec la personne qu'elle a en face d'elle. Donc ce qui donne des émotions un peu plus fortes et que l'on peut partager avec ce qu'elle donne à voir. Mélanie Wenger, donc la deuxième lauréate, elle a choisi, elle, de photographier une femme solitaire, très, très particulière, qu'elle a surnommée la dame aux poupées. Et c'est un étrange paysage, si on peut dire, de cette personne qui vit complètement retranchée. Et seule une photographe douée d'une sensibilité très particulière et dépourvue de préjugés pouvait vraiment photographier cette personne dans le monde dans lequel elle vivait.